Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. C'est une période qu'elles n'oublieront pas de sitôt et c'est bien normal. Stéphanie Labbé et Georgia Simmerling. En couple depuis 2016, viennent de se fiancer. Cela conclut un été très chargé pour les deux femmes puisqu'elles étaient toutes les deux aux Jeux Olympiques de Tokyo avec des succès divers. Pour Stéphanie, la compétition ne pouvait pas mieux se passer. Gardienne de l'équipe nationale canadienne. Elle a remporté la médaille d'or de la compétition en battant la Suède au tir au but. Une magnifique performance pour l'une et beaucoup de frustration pour l'autre. Puisque Georgia s'est classée quatrième de la poursuite par équipes en cyclisme sur piste. Mais la déception s'est vite envolée depuis hier, puisque Georgia a trouvé le courage de demander sa compagne en mariage et qu'elle a dit oui. Partie en vacances après les Jeux pour décompresser. Les deux femmes étaient en plein road trip au moment de la demande. Dans une publication Instagram. La jeune femme de 32 ans a fait l'annonce de la bonne nouvelle à ses 21 000 abonnés en l'accompagnant d'une magnifique photo des deux femmes pendant leurs vacances. Un camping que nous n'oublierons jamais. J'ai demandé à ma meilleure amie si elle voulait passer le reste de sa vie avec moi et elle a dit oui. Mon cœur est comblé. Je t'aime plus que tout Stéphanie, écrit-elle dans un message déjà aimé plus de 11 000 fois. Une très belle nouvelle qu'a également tenu à partager Stéphanie Labbé sur son compte Instagram. Pour accompagner un beau selfie des deux femmes visiblement très complices, la joueuse de football écrit « À travers les vilaines larmes je pouvais à peine entendre ce que tu me disais. Mais ce que je sais c'est que passer le reste de ma vie à tes côtés est le plus beau des cadeaux. » Écrit-elle avant de conclure « Ma meilleure amie, mon âme sœur, mon rock, ma fiancée. » Après des jours réussis, Stéphanie et Georgia poursuivent donc un été de rêve avec cette belle nouvelle.